Alors en gros, il y a deux types d'aides au logement. Il y a d'un côté les aides qu'on appelle aides à la personne, en gros les APL. C'est plus compliqué que ça parce qu'il y a plusieurs dispositifs pour plusieurs publics différents. Et donc il y a d'un côté les aides à la personne, c'est 20 milliards d'euros par an à peu près. Et puis de l'autre côté, 20 milliards d'euros aussi, c'est ce qu'on appelle les aides à la pierre. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a plus d'une vingtaine de mesures qui vont à la fois vers le logement social et vers l'investissement privé, que ce soit la propriété occupante ou euh, l'investissement locatif privé. Alors, pour ce qui est des aides à la pierre, c'est assez compliqué, parce que comme il y a beaucoup de mesures, elles sont très instables. En gros, une mesure par ministre du logement, et puis la fiscalité, euh, euh, enfin, les dispositifs fiscaux évoluent beaucoup d'une année sur l'autre, donc c'est assez compliqué d'avoir une évaluation un peu globale des aides à la pierre. Ce qu'on sait, c'est que les aides à l'adresse du logement social fonctionnent, elles ont permis à la construction sociale de bien se maintenir pendant la crise. Pour ce qui est des aides à la construction privée, par contre, c'est plus compliqué. Euh, sur l'investissement locatif, on n'a pas assez de recul sur les dispositifs pour pouvoir les évaluer correctement. Il y a un dispositif qui a été évalué, qui est le dispositif Célier, qui s'est arrêté en 2012. Et l'évaluation montre qu'il y a beaucoup d'effets d'aubaine, que les constructions ne sont pas faites au bon, aux bons endroits, etc., etc. Donc, Cécile Duflo, en arrivant, a dit on met fin au Célier et on fait un nouveau dispositif qui va s'appeler le dispositif Duflo. Sylvia Pinel est arrivée et a fait le dispositif Pinel. On imagine qu'il y aura sûrement un dispositif COS avant la fin du, euh, du quinquennat, et donc on n'a pas assez de recul pour regarder l'efficacité de ces dispositifs-là. Et puis enfin, il y a les dispositifs d'aide à l'accession, comme le PTZ par exemple, qui là aussi, hélas, est modifié annuellement. Là, depuis 2011 à peu près, il y a une version par an euh, du PTZ, et donc ça ne permet pas d'avoir une, une bonne évaluation des aides à la pierre. Pour ce qui est des aides à la personne, euh, elles sont très critiquées. Il y a beaucoup d'études qui ont montré soit leur effet inflationniste, soit le fait qu'elles ne solvabilisaient pas assez les ménages modestes, etc. Quand on regarde les chiffres, c'est un peu plus rose que ça, on va dire. C'est l'une des aides sociales les plus redistributives du système redistributif français. Sur les 20 milliards d'euros, euh, c'est très très bien ciblé sur les ménages les plus modestes, des trois premiers déciles de revenus, c'est-à-dire en gros les 30% les plus pauvres de la population française. Ça permet de faire baisser le, le taux de pauvreté de ces ménages-là. Euh, et en fait, ce qu'on voit en regardant les chiffres et le dispositif d'aide à la personne, c'est qu'ils souffrent plus à l'heure actuelle. D'une sous-distribution, sous c'est-à-dire qu'on ne donne pas assez aux ménages modestes, ce qui fait qu'ils ont des taux d'effort élevés euh, et des taux d'effort qui augmentent. On va essayer de faire simple, mais en gros, les aides sont calculées en fonction d'un plafond de loyer, et ce plafond de loyer est sous-indexé par rapport à la réalité des loyers de marché. Donc, c'est-à-dire que toute augmentation de loyer subie par les locataires, en réalité, augmente leur taux d'effort. Ce n'est pas pris en charge par des aides, et en fait, les aides sont un peu devenues forfaitaires, c'est-à-dire que. Euh, à composition familiale équivalente, on touche la même chose qu'on ait un loyer élevé ou pas élevé, parce que de toute façon on est au-dessus du plafond de loyer. Et donc ça c'est un vrai problème. Euh, ce qu'il faudrait c'est au sein de ces 40 milliards de euh, politique du logement, essayer de redistribuer un petit peu euh, des aides à la pierre vers les aides à la personne qui une fois de plus fonctionnent, mais euh, vers lesquelles on n'adresse pas assez d'argent. Alors il y a plusieurs solutions. Il y a la solution donc, de réaffecter et de réévaluer les aides à la personne pour faire baisser en urgence le taux d'effort des ménages les plus modestes, qui sont des taux d'effort très très élevés. Et après il y a des solutions de plus long terme. Et les solutions de plus long terme, c'est qu'il faut construire. Il faut, faire, il faut construire pour faire baisser les prix. Euh, il faut faire baisser les prix parce qu'il faut faire baisser les loyers, ce qui fera baisser le taux d'effort des ménages. Et donc pour construire plus, il y a différentes options. Il euh, y a l'option fiscale. On a une fiscalité immobilière en France qui est assez élevée, qui est aux alentours de 60 milliards d'euros, donc plus que les 40 milliards d'aides publiques au, au logement. Cette fiscalité-là, en fait, est assez mal faite et mal pilotée parce qu'elle incite un peu à la rétention. La rétention de foncier et aussi la rétention euh, immobilière. Donc, en gros, on est propriétaire d'un terrain, que ce soit en zone tendue, dite tendue ou euh, pas tendue. Euh, on a intérêt à garder son terrain parce que la fiscalité qui pèse sur la détention est au final relativement faible et par contre il y a une, une fiscalité sur les mutations, elle, qui est relativement élevée, c'est en gros deux tiers, un tiers, donc on peut dire un tiers c'est pas beaucoup, euh, le truc c'est qu'un tiers de 60 milliards ça fait un peu quand même. Et en plus il y a une fiscalité sur l'investissement qui incite pas forcément les investisseurs euh, à revenir sur le marché de, de l'investissement notamment locatif. Et donc il y a cette fiscalité-là qu'il faut remettre à plat. Et notamment la fiscalité foncière. Euh, on, il y a un rapport là qui a été rendu par Daniel Goldberg euh, <coughs> il y a deux semaines sur le sur le sujet qui est très très bien fait et qui fait un bel état des lieux de la mobilisation du foncier. Comment on fait quoi En gros. Et ce qui montre, c'est que ce qu'on sait par ailleurs, c'est qu'on a une fiscalité foncière qui pèse énormément et qui une fois de plus incite à la rétention de foncier. Or nous, ce qu'on veut, c'est en gros faire un choc de foncier. Quand on dit choc de foncier, c'est souvent du foncier euh, d'occasion. Ce n'est pas euh, le terrain agricole, c'est euh, du foncier, c'est des friches industrielles, c'est des choses comme ça. Euh, où les propriétaires les gardent, parce qu'on a une bulle foncière. En fait, quand on parle de bulle immobilière, c'est une bulle foncière qu'on a. Quand on regarde la décomposition du patrimoine immobilier, les logements augmentent à peu près au rythme des coûts de construction. Par contre, ce qui augmente vraiment, et là où il y a une vraie bulle, c'est sur le foncier. Il y a de la spéculation sur le foncier et il y a de la rétention de foncier. Donc il faut réussir à libérer du foncier pour construire euh, des logements. Et puis après, il faut, d'une manière générale, une fois cette remise à plat un peu faite, euh, ce qu'il faut, c'est installer une espèce de moratoire euh, des mesures fiscales, parce qu'on a des mesures fiscales qui chaque année bougent, il n'y a aucune visibilité à long terme, on fait des ajustements, euh, donc les investisseurs, eux, se disent toujours qu'il y aura un dispositif l'année prochaine qui sera plus avantageux, donc attendent, et donc ça, ce n'est pas bon, donc l'idée, c'est qu'on remet à plat, et puis après, on ne touche plus à rien, et qu'on puisse au moins évaluer un certain nombre de mesures. Quoi.